Bonjour, bonjour. Me revoilà. Alors, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vais attendre un petit peu. Bon, c'est pas grave, on va commencer de toutes les manières. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait un Welsh. C'est un plat régional pour ceux qui connaissent. Et je pense que ça peut intéresser. J'ai mis mon petit programme de cuisine cette semaine sur le Facebook pour vous montrer un petit peu ce qu'on allait faire. Je vais attendre un petit peu parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Alors, c'est pas grave, je vais commencer. Comment réaliser un Welsh? Alors déjà, on va utiliser... Salut Armand! On va utiliser du pain. Donc moi, j'utilise du pain de campagne. J'aime bien mettre ça dans mon Welsh. Je vais commencer d'abord par allumer mon four, position grill. Vous verrez pourquoi après. Hop, on va mettre la grille. On prend son pain. Donc comme je disais, moi je prends du pain aux céréales, j'aime bien. Donc d'abord j'enlève la croûte, comme ça quand le fromage sera au-dessus. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui se connectent. Donc mes tranches de pain. Donc on prend un ramequin, comme ceci. Hop. Donc je vais faire deux Welsh. Donc tout ce que je fais c'est pour deux, donc si vous en faites 3, 4, 5, 6, vous gérez ça en fonction du grammage. Alors, je prends mes tartines de pain, donc moi j'enlève les croûtes. Voilà. Comme ça, ça évite, quand je vais manger mon Welsh, que je prends du vrai vrai pain noir aux céréales. Hop, qu'on vient mettre là, dans le ramequin. Alors surtout dans un Welsh, il faut mettre du bon. Vous mettez que des choses bonnes. Vous mettez du bon pain, vous mettrez du bon fromage. Je vous expliquerai après la marque. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, une fois qu'on a coupé son pain, qu'on a enlevé les croûtes, moi je prends de la bière, donc de la triple. Et on va venir humidifier un petit peu le pain au fond du ramequin. Donc on ne met pas grand chose. Donc vous prenez votre pain, hop, vous venez l'humidifier tout doucement, voilà. Si jamais vous voulez voir la dose de bière que j'ai mis, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Voilà, vous voyez, je mets vraiment l'équivalent, que le pain vienne vraiment absorber la bière. Faut pas qu'il y ait un fond de bière qui traîne dans le ramequin, ce serait pas bon. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une casserole comme celle-ci. Donc moi c'est pour deux personnes, donc c'est une petite casserole. Donc dans cette casserole, on va venir y mettre, je vais vous montrer les doses. Donc moi j'y mets l'équivalent d'un demi-verre comme ça. Voilà. Oui, à peu près la dose. On va attendre que la mousse remonte. On va utiliser de la sauce Worcester comme celle-là, sauce anglaise. De la moutarde que j'ai pas préparée, que je venais rechercher. Voilà.
Alors, une fois que le pain a bien absorbé toute la bière, vous prenez la moutarde et vous venez mettre l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde comme ça, par au-dessus, sur votre pain. Hop. Donc là, j'ai deux tartines. Alors, si vous aimez plus moutardé, moins moutardé, vous mettez plus de moutarde. Ça reste une cuisine de maison. Donc, pour que je vous donne l'aperçu que ça donne avec la moutarde. Voilà, vous voyez, j'ai bien étalé la moutarde sur le pain. Vous voyez qu'il ne reste plus de bière, hein. Il n'y a vraiment plus du tout de bière. Le pain a bien tout absorbé. Alors, voilà, ça c'est l'équivalent pour deux Welsh de bière. Donc moi j'ai pris de la. Aujourd'hui j'ai pris de la bonne triple. On peut faire de la marque, on s'en fout, on est entre nous. Donc c'est de la cuvée des trolls. C'est une très bonne bière, moi j'aime bien. On vient mettre ça dans une casserole. On prend la sauce Winchester. C'est ce qui va donner du goût au fromage. Là, on vient y mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et ça, je vais le faire bouillir. Alors, je ne sais pas ceux qui ont fait les courses ou pas. Je vous avais demandé d'acheter du cheddar rouge. Donc, moi, je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai râpé. Donc, c'est du cheddar Galloway. C'est la vraie marque pour le cheddar, pour le Welsh. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et une fois que le mélange que je viens de vous montrer de bière et de Welsh et de sauce commence à bouillir, vous voyez, comme ici. Donc, le feu, on le met fort. Hein. Faut vraiment que ça boue comme ça. Une fois que ça boue, vous baissez le feu, vous vous mettez... Moi, là, je suis à 7, je vais me mettre à 5, 4... Et je vais prendre, donc là je vais faire deux Welsh. Donc je prends une grosse poignée comme ça, que je viens mettre dans le mélange. Je vais prendre une deuxième poignée comme ça, que je viens mettre dans le mélange. Une fois que ça chauffe, on va venir remuer. Voilà. Donc là, c'est la première. On fait bien fondre. Alors, les puristes vous diront toujours avec une cuillère en bois, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Une fois que ça a bien fondu, je reprends une bonne grosse poignée. Une deuxième. On doit obtenir un liquide. On doit obtenir un fromage fondu, mais une pâte. Donc on attend bien que ça fonde. C'est pour ça que j'ai refroidi. Là j'ai baissé un peu la température, parce que surtout il faut pas que ça crame. On mélange bien. Il faut vraiment que tout le fromage soit bien fondu. Bon là c'est encore un peu trop liquide. Alors je sais que je prépare ça à cette heure-ci à 3h, c'est peut-être dans l'après-midi. C'est histoire de vous montrer comment on fait. Vous pouvez le faire chez vous directement ce soir. Il faut compter un petit quart d'heure, 20 minutes pour préparer un Welsh. Après, si vous le faites en même temps que moi, vous pouvez très bien le laisser refroidir. Ce sera moins bon. Et le manger ce soir en le réchauffant. Mais je vous montrerai comment on fait. Voilà. Là, vous voyez, on a une belle texture. C'est vraiment un beau fromage. Alors, je dirai coucou à tout le monde. Voilà, là pour moi c'est parfait. Vous voyez, on obtient vraiment un peu comme une fondue à fromage. Par contre, il faut vraiment que tout soit bien fondu. Il ne faut vraiment pas qu'il reste de petits morceaux. Voilà, on va laisser un petit peu comme ça. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, que tout le monde est en bonne santé. Donc comme je vous avais dit au début de la recette, j'ai allumé mon four, j'ai mis position grill. On va prendre une casserole comme ça.
Parce qu'on va faire cuire les œufs. On met un petit peu d'huile au fond de sa casserole pour que les œufs n'accrochent pas. J'ai été chercher les œufs. J'ai été chercher chez mon boucher du bon jambon à l'os. On vient couper la tranche en deux. Donc je me répète, dans le ramequin, j'ai mis une tranche de pain pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc moi j'ai pris du pain aux céréales. Bon, j'enlève la croûte. J'ai mis de la bière pour que vraiment un tout petit peu de bière pour que le pain absorbe vraiment la bière. D'ailleurs on va en remettre un peu. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà. On va mettre sa tranche de jambon par au-dessus. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vais vous remontrer un peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de bière qui traîne au fond. Le pain de campagne a bien absorbé la bière. J'ai mis de la moutarde. Et là, je vais venir mettre ma tranche de jambon par au-dessus. Voilà. Ici. Et là, j'en ai fait un deuxième. Hop. Une fois qu'on a fait ça, que son fromage a vraiment bien fondu. Donc vous voyez, moi je veux vraiment un fromage comme ça, hein, cette consistance-là. On vient recouvrir le ramequin jusqu'en haut de fromage. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu le ramequin, ça va et toi, Tony? Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà. Donc là, vous voyez, on a deux beaux welch. C'est bien luisant, c'est bien propre. Une fois qu'on a fait ça, on prend les deux ramequins et on va venir les mettre au four. Donc, position grill, hein, uniquement. On n'est pas là pour les réchauffer, on est là pour gratiner un petit peu le dessus du welch. Donc, dans la casserole, on va y mettre ces deux œufs. Parce que moi, je fais un welch royal. Ce qu'on appelle un welch royal, c'est avec un œuf par au-dessus. Hop. Parce que moi, je vais le manger tout de suite. Hein. Je n'ai pas beaucoup mangé ce midi exprès. Hop. Et on va venir faire cuire ces œufs. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend ces ramequins. On vient les mettre au four. Hop. Et voilà. Donc là, c'est pour faire gratiner. Pendant ce temps-là, si vous aviez fait des frites, bah, vous faites cuire vos frites. Moi, pendant ce temps-là, bah, je vais boire un peu de bière en attendant que ça cuise. Bon, on va prendre un verre à bière quand même. Bon, sinon tout le monde a passé un bon week-end, j'espère. Voilà. Santé. Donc on vérifie que son gruyère gratine bien. Avec le chinard. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans le four. Voilà, vous voyez, là ça commence à bien gratiner. On va encore laisser un petit peu. Mes œufs sont en train de cuire. Eh bien, écoute Alex, on te souhaite un bon courage car apparemment Alex est à la maternité pour son bébé. Donc elle doit rester couchée, mais apparemment le travail commence.
Allez Alex, la deuxième mascotte arrive. Et après, bah, ça ne peut rester qu'à servir. Alors, on va aller voir ça. Il ne faut pas les laisser longtemps, hein, ça ne sert à rien. C'est vraiment histoire de faire gratiner. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez là, ça a bien coloré, ça a bien gratiné. Je vais mettre mes œufs par au-dessus. Et voilà. Et voilà. Hop. Donc en parallèle de ça, vous faites une bonne mayonnaise maison. Ça, je vous ai déjà montré comment on faisait. Vous faites vos frites maison. Et voilà un magnifique Welch. Tels qu'on les adore, bien présentés, pas gras du tout, fait minute. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hop. Vous voyez. Super bon. Voilà. Donc je ne sais pas si vous l'avez fait chez vous, mais alors moi franchement c'est super bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent encore des explications? Parce que moi j'ai fini ma recette. Bien entendu, on fait des frites à part. On fait une mayonnaise et on trempe tout ça. Alors je me permets d'attendre vos questions. S'il n'y a pas de questions, bah, je finirai mon Welch. Sachant que j'en ai fait deux parce que bah, Victor en voulait un aussi. Allez, moi je vous souhaite un très bon appétit. C'est super bon. Eh bien écoutez, voilà une recette qui n'a pas duré longtemps, vous voyez. Donc demain, pour les courageux, à 15h, je fais une poule au pot. J'ai mis tous les ingrédients sur mon site internet. Mercredi, je vais faire des moules taille. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais changer l'horaire mercredi. Mercredi, je ferai ça vers 18h30, 19h. Donnez-moi vos retours. L'idée, bah, c'est qu'on passe l'apéro et je vous montre comment je fais mes moules taille. Et puis, ben, on peut les manger ensemble. Ou après, eh ben, on les mangera chacun de son côté. Voilà, je vous dis bon appétit. Je vous dis surtout, faites attention à vous. Respectez bien le confinement. Buvez pas trop. Et puis, je vous dis à demain. Bisous, bisous.